président Jovenel Moïse t'a arrêté ou kidnappé ou assassiné sous piste aéroport international Toussaint Louverture dans le peuple haïtien depuis exactement président paysan t'es sorti dans le pays la Turquie et puis depuis le sol des pays d'Haïti sous piste aéroport international Toussaint Louverture là. Première possibilité, c'était pour arrêter président Jovenel Moïse, remettre dans l'autre avion, et puis allager dans l'autre pays. Ça veut dire un kidnapping. Maintenant, il n'y a pas de trouver. Dans quel pays pour t'aller déposer président? Il y a tant d'avion. Avion pas de sous-piste à l'aéroport. Mais vous avez un avion, on peut pas ici. Avion pas d'après temps pour le arriver sous piste à l'aéroport international tout sous le voiture. Mais on va dire côté pour le déposer président. Moun qui t'a arrêté président Jovenel Moïse, c'est Dimitri Erra, on peut pas ici. Parce que Dimitri Erra, tu as une copie mandat que André Michel, M. Mario Beauvoir. Et John Joël Joseph Nenel Kassi, t'as fait dans mes amis qui relève Jean-Roger Noël Sirius, yon juge de destruction. L'autre possibilité, yon te capable tout assassiner le président dans l'aéroport là. Mais possibilité, ça l'était minime lui-même parce que. Dans l'aéroport international tout sous l'étude, il n'y a pas de vraie chance pour te commettre crime sur les haïtiens. Je dis, il y a des choses qui sont extrêmement importantes. C'est des choses en pile monde peut-être que pour qu'on capable de dire. Mais nous-mêmes dans l'info bientôt, nous avons des gens qui extrêmement fait nous confiance. Ils croient que nous faisons travail. Nous gagnons détermination. Nous gagnons conviction dans la bataille que nous menons. Pour chercher la vérité dans ce qui est pour avec assassinat président paysan qui c'est président Jovenel Moïse. Deux plans ça n'ont pas exécuté. Assassinat, arrestation, kidnapping. Ils n'ont pas fait. Dimitri Erra, contre le président Jovenel Moïse, rentrer dans le palais national avec le président Jovenel Moïse. Côté que le président Jovenel Moïse a parlé de un bilan sous éventuelle véritable rencontre qu'il fait. Dans le pays, la Turquie, dans le voyage, ça. Évidemment, le président parlait de ça que le signé comme accord. Il parlait de dossier gang dans le pays à l'époque. Il parlait de dossier énergie dans le moment parce que c'était exactement dans la période côté que Dimitri Vob, tu payes l'argent dans le village de Dieu, payes l'argent dans Gravine, payes l'argent dans Tibois, et puis fait trois groupes gang ça à bataille sous Matissan parce que le 5 juin 2021, Jovenel Moïse qui te prévoit que l'Ipral inaugure centrale électrique Kafoulan qui te fini. Ça veut dire que dans le moment, je ne parle pas là. Dans l'heure, je ne parle pas là. Dans le jour, je ne parle pas là. Dans la seconde, je ne parle pas là. Voilà. Centrale électrique Kafoulan est fini net. C'est Kani Lapkani, c'est Dimitri Vop qui parle de la centrale inaugure pour le Baïkou en 24 sur 24. Est-ce que vous comprenez ça, m'a dit nous là? Parce que Dimitri Vop dit lui-même, investissement fait dans tout. Manifestation crasée brisée dans le pays pendant 4 ans, 5 mois dans le pays. C'est exactement pour le faire l'argent dans l'énergie dans le pays, l'argent que le compte fait, qui c'est 12 millions pour son génère et 8 millions EDH fait 20 millions de dollars américains. Jovenel Moïse, président de la République, tape moi exactement dans le moment où le seul pays d'Haïti, l'heure de sortir dans le pays de la Turquie. Soit vous prenez l'autre, exilé, alors prenez la déposer dans l'autre pays, ou tu me surtout exécuter. Pendant que l'on descend l'avion, dans l'aéroport international tout seul, l'ouverture là. Aïe, c'est quoi, monsieur? Dimitri Erra, t'as pris le président Jovenel Moïse avec facilité, lui remettre monsieur au lit. Jovenel Moïse vient quitter le palais national. Lui rentrer la caille. Et lui fait qu'on est que, l'a tourné dans le palais de monsieur Dieu veut. Jovenel Moïse quitte le palais national, lui va jamais descendre dans le palais encore. Li quitte par le national, li rassure tout monsieur honnête, n'a pas descendu par le national.
Et il rassure Lionel Gbagbo qu'il a descendu par la nationale de si Dieu veut. Depuis le jour, Jovenel Moïse n'a jamais mis pied dans le palais. Toutes les rencontres, il fait la caille. Nomination Ariel Henry, la caille. Rencontre avec Ariel Henry, Pepi PM Claude Joseph, la caille. Alors, pas oublier. Pour la vérité et pour l'histoire, Ariel Henry s'est imposé Joseph Michel Matéli, imposé président Jovenel Moïse. Parce que président Matéli, dit monsieur Consacre, qui m'a été ensemble avec ou l'homme été choisi comme candidat à la présidence. Et qui sortait répondre moi, l'homme été choisi comme candidat à la présidence. Je dis à moi au printemps pour retourner à Sansea pour moi. Où est Michel Matéli? Pourquoi j'aime contre Michel Matéli? Elle est en train de maman président Jovenel Moïse. En pile bêtise que Michel Matéli dit président Jovenel Moïse. Elle dit où est Matéli? Ou pourquoi qui est-ce qui Matéli? Moi remettre au pouvoir pour bon pouvoir en 2022. Ou a bêtise ensemble avec moi, fait tout petit complot par en bas, ou que le pense m'a jamais connaît. Je dis à m'mande pour le premier ministre, moi gratter tête pour prendre. Joseph Michel Matéli. Moi-même, m'a dit nous des bagages qui sont extrêmement importants. Nous c'est Infoberto. Nous c'est médias en ligne. Nous pas courir quitter médias. Nous pas courir quitter micro. Nous pas courir quitter caméra. Parce que nous pas foutre prendre l'argent de personne. Nous pas manger la caille personne. Nous pas gagner maître, nous pas gagner patron, nous pas foutre gagner boss. Et nous pas gagner boss tout. Parce que moi, c'est Calbas Grandjol. Quand il s'agit de la vérité, pas gagner sous la tête à faire un papa l'el. Parce que depuis la bon pour majorité, depuis la bon pour pays, m'a dénoncé les assassins, voyous criminels gang, pour faire population nan, au courant de ce qui est passé dans le pays. Joseph Michel Matéli. Joseph Michel Matéli, 55e président d'Haïti, parce que privé de fait, il rentrait dans l'histoire pays. 57e président d'Haïti, qui a été pris, été retiré au candidat, remplacé Matéli dans la place, et de fait, Matéli vient élu démocratiquement parce qu'il bat Madame Maniga. Tout le monde connaît ça. Pas de problème. Matéli, son malade pouvoir. Matéli, son est comme si Nadjou, c'est pouvoir le besoin, c'est pouvoir le doué gagner. Et c'est qu'on y en a vu comprendre. Le Matéli a fait véritable bataille contre Aristide, contre Préval. Matéli, c'était sous tout rêve, c'était le président de la République. Depuis là, il a mené tête comme président compas, son est qui autoritaire. Son est qui pour le décider, pour l'imposer de bagaille. De fait, l'homme s'est venu au président, lui a été comme président à vie. C'est l'heure pas qu'un président encore pour la mettre des monde vine président de la République. Parce que son pouvoir que l'équipe Matéli a dit au prend pour 50 ans. Le président Jovenel Moïse vient décider pour que les bails des anciens ministres et anciens premiers ministres des charges sont en 2006 pour arriver 2015. Et bien, parmi les premiers ministres, ça y est. Ancien premier ministre Laurent Salvador Lamotte bénéficiait des charges parmi premier ministre. Et mais c'est ça qui dérangeait les têtes calées, les Matéli. Ils ont dit c'est exactement Lamotte que Jovenel Moïse après le supporter à travers les élections contre Michel Matéli. Et mais l'équipe Matéli était vraiment fâchée dans le moment. Deuxième bagarre qui fait Matéli, extrêmement énervé contre Jovenel Moïse. C'est leur que président Jovenel Moïse décide pour faire un référendum constitutionnel contre qu'il a changé la constitution. Alors, il y a un jeu démocratique parce que c'est le peuple qui va décider s'il veut changer ou pas. Eh bien, la constitution, ça garantit qu'à faciliter la diaspora haïtienne des haïtiens vivant à l'étranger. Qui a écrit une carte sur le bagage, ça va aller voter définitivement dans le pays. Président Jovenel Moïse
t'as rentré diaspora dans la politique pays a, et vous avez participé directement dans le développement pays a. Équipe matérielle fâché les boudés, les oligarques corrompus de Métionville boudés, Boulos qui te gagne vision pour le candidat à la présidence, il y a tout qualité gros problème, il y a gonflé fonction, il y a une fonction, tout n'est qu'une différence, divergence, tout n'est qu'une tête ensemble, autour d'une table, j'ai une seule entente qui c'est assassinat, président Jovenel Moïse, Pepa Issem Baba Noati, je dis à nous exactement 12 juillet 2022, parole n'a pas parlé. PM Claude Joseph, il y a un pile cause qu'elle dit, nous prenons parler ensemble avec vous, nous prenons commenter, nous prenons analyser ensemble avec vous, nous prenons fort en de PM Claude Joseph. M'a dit nous bonjour, bonsoir tout le monde. Dépendamment de qui côté qui l'heure, ou attendez nous et ou regardez nous. Encore une fois, gens que nous connaissons, c'est toujours un plaisir pour moi pour que m'ensemble avec nous. Et ça a vraiment fait du bien. À chaque fois que me connais, m'a vienne partager mon moment ensemble avec nous. Et que me connais, nous va réagir exactement à travers commentaires. Alors, c'est là que nous va dire tout ça que nous pensons, et bien justement, tout ça que nous comprenons. De ça qui dit dans l'émission Panouan qui passe sur plateforme Panouan, qui c'est plateforme YouTube Info Bertour. Parce que nous entendons, nous comprenons, nous apprécions, et bien de fait, nous avons une réaction. Nous avons like tout d'abord, et nous avons montré que nous remettons avec nous, nous apprécions avec nous à travers les commentaires dans l'espace commentaire. Il est extrêmement important. Et bien justement, premier sort fait, ou like tout d'abord, et puis ou commenter. Deuxième sort fait, ou dit que, ou même en tant que famille, amis, plateforme YouTube, info bientôt, moi pas mon qui est égoïste. Et bien de fait, moi gagne notification, ça, moi gagne vidéo, ça va qui va attendre, moi même seul, et bien de fait, bon, me fait 5 amis dans contact, moi, participant ensemble avec moi. Ça qui arrive, la donne de la donne par un travail, ça qui arrive, par un bagage, même j'en avec nous. Mais 3D ou bien 3 la donne après même quand même. Il y a tant de parce que des gens qui soif la vérité. Parce que je garantis, il y a des gens qui gorge sèche avec mensonge depuis 36 l'année. Mais je te sorti goutte la vérité, qu'on joue une possibilité pour faire pour la gagner dans gorge. C'est vérité qui a passé sur plateforme YouTube et faut mettre toi. Mais laisse on prendre les clans ou partager avec 5 hommes qui ont gagné sous contact WhatsApp. Sous 4 groupes WhatsApp sur téléphone. Et bien de fait, ou prenez le clan ou déposez le dans 4 groupes WhatsApp. Si vous avez un groupe Facebook sur téléphone ou sur le compte Facebook, et bien de fait, ou prenez le ça ou partagez ou mettez le sur groupe Facebook. C'est très important. Le ça ou booster travail ou sponsoriser travail à travers le like ou like, à travers partager ou partager, à travers commenter ou commenter. Parce que c'est un plus gros booster que le travail. C'est fumier ou mettre en bas dans le monde de travail. C'est très important. Jodia, justement, peuple haïtien. Nous prenons responsabilité. Non. Et de jour en jour, nous connaissons plus de vérité sur ce qui passait dans l'assassinat du président Jovenel Moïse. Il y a une grande bagaille que nous avons toujours dit pendant 12 mois que ce passé là. Goumé pour nous joindre la vérité dans ce qui est pour avec l'assassinat du président Jovenel Moïse, et même garantir ou sur route pour joindre délivrance pays d'Haïti définitivement. Parce que depuis nous joindre toute la vérité, dans ce qui est pour avec l'assassinat du président pays, de fait, nous avons délivré pays. Parce que les gens qui touillent le président Jovenel Moïse, c'est exactement les gens qui mettent nous dans ce là comme situation. Les gens qui vendent des armes, qui vendent des balles, qui touillent les pays chaque jour dans le pays, qui kidnappent les gens chaque jour, et de fait, c'est les gens qui touillent le président Jovenel Moïse. Ou imaginez-vous, si vous courez, si nous mettons tête nous ensemble, nous une force, nous une voix, nous ensemble, pour nous parler d'une seule voix, pour demander justice pour le président Jovenel Moïse, ou bien la vérité, dans ce qui est pour avec l'assassinat du président Jovenel Moïse, et bien, je garantis que nous avons délivré le pays d'Haïti par n'importe qui moyen. Assumez responsabilité nous. Dans la bataille que nous avons là, nous ne pouvons pas cacher l'ombrique. Prenez responsabilité nous, peuple haïtien. Dans la bataille pays, pas de cacher l'ombrique. Dans la bataille pays, pas de acheter figure monde. Dans la bataille pays, pas de peur mourir. Dans la bataille pays, pas de peur tout le monde. Parce que si des salines, tes peuples mourir, nous ne sommes pas indépendants comme premier peuple noir. Si des salines te pertouye moun tout, nous ne sommes pas indépendants comme premier peuple noir. Ça veut dire qui ça? Nous sommes nègres. Nous avons courage. Nous avons force. Nous avons détermination. Nous avons conviction. Là, nous croyons bagaille. Je dis, je veux que nous plus que déterminés dans la lutte que nous menons. Lutte pour nous joindre la vérité dans sa guinée pour y avec l'assassinat président du pays. On mène un vrai combat pour nous délivrer le pays d'Haïti pour tout bon. On nous bataille pour nous délivrer le pays. Moi-même, dans l'info, je suis goumé. De fait, nous chita. Non seulement nous dénoncer les assassins criminels, qui ont fini avec le pays, ça, les drogues dealers, les kidnappers, etc. Mais de fait, nous finissons avec l'opération Yon Pel, Yon Bouret, Yon Balé. Dans le souci pour nous garder comment nous sommes capables de propre pays d'Haïti, clean pays d'Haïti. Qui ça fait qu'un pays n'est pas propre là? De fait, qu'un pays, si vous prenez l'indépendance par rapport avec criminel dans le Port-au-Prince.
je te m'a tout profiter inviter la diaspora haïtienne, les haïtiens vivant à l'étranger, m'a invité nous vinn passer vacances cap haïtien. Nous pas besoin la caille voisin ou République dominicaine. Allez cap haïtien, cap haïtien pas fout Haïti. Nous pas besoin nous pas besoin l'Haïti, allez cap haïtien. Allez cap haïtien parce que cap haïtien gen bel restaurant, gen bel plage, quand nous on vinn petit griot local ou on vinn petit cocoyer, on vinn petit bagarre pou, on vinn bon vent naturel, bon soleil normal dans pays d'Haïti. Cap haïtien moun yo gentil. Moun yo reme moun. On a le cap haïtien. M'a invité, frère avec son mieux cap, vive à l'étranger. Nous avons besoin d'investir. Là, on a voisin en République dominicaine. On prend destination, cap haïtien. On a investi. On a fait chaîne d'hôtel nous. On a fait bel restaurant nous. On a fait bel club nous. On a fait bel studio nous. Est-ce que vous comprenez? On a fait bel store nous. On a fait bel business nous là. Cap haïtien. Nous, qu'a investi là? On a fait belle maison nous. Pour nous louer, pour nous faire Airbnb, pour nous louer. À nous faire bel business, à nous développer la caille plutôt. Parce que cap haïtien, si nous chaque côté, bon, ok, ou même si c'est mon bord de presse, ou pas qu'à le bord de presse encore, ou à vivre à l'étranger, ou gagner l'argent dans mon, ou à investir dans le pays d'Haïti. Et bien de fait, on a les cap haïtien. On a les cap haïtien, on a mettre menou à tes cap haïtien. Vous comprenez? On a mettre menou à tes cap haïtien. Et on a bataille pour mettre un gouvernement en place. De fait, là, nous avons un gouvernement en place pour nous agrandir l'aéroport cap haïtien. Hein? Et là, ça nous peut le faire, un aéroport tête chargée dans la ville. Et au Caï, ça veut dire dans le sud pays. Hein? Et puis pour mettre un plus grand aéroport dans Jérémy, le ça, l'homme qui sort des États-Unis d'Amérique, quoi, voler ou tomber dans le sud directement. Ou pas besoin de passer dans le bastion, gang, dans le bastion Ravette là, qui n'a pas de président. À nous organiser, nous, peuple haïtien. À nous prendre responsabilité, nous. Et m'a dit, nous, grand monde, qui t'a gagné sur ça, qui t'a gagné comme ça, les Jovenel Moïse. Et c'est pour ça, nous, tout y est, le peuple haïtien. Parce que monsieur, t'as fait paysan qu'on est que. Même ou peut-être qu'on l'a vu pour nous, et bien vous avez bien la caillou. Paysan, pas obligé de venir pour nous, pour faire qu'un électoral encore. Nous avons décentralisé le pays et nous avons gardé pour nous. Quand l'électoral qui a pris pour 3 mois pour faire, nous avons fait un paquet de l'argent sous nous. Moi-même, je fais 4 électorales, 4 jours et 4 démalogues là. Moi, je fais le matin et puis dans le matin, ça veut dire non, un jour. Et puis pendant 7 ans, de vos cartes électorales que m'te fait avant. Yo te prend plus que 3 mois pour que yo te bamrel. Et deuxième, 4 mouvines faire, 4 que président Jovenel Moïse cherche compagnie pour vin faire, qui est le compagnie de Maloglan. Et mes 4 électorales, ça peut pas ici. Ou fait le nan jodi, yo ba ou le nan demain. Nan yo jour ou gen 4 ou. Ça veut dire, pays en technologie a pas avancé, Jovenel Moïse commence à pas avancer tout. Mais c'est extrêmement éclair. Le président Jovenel Moïse, c'est ton génie. Et c'est pour ça que vous touillez, parce que les zones qui ont compris de Betchonville, ils ont besoin de la vête politicien qui a jappé dans toute radio, qui a parlé politique seulement. Mais ils ont besoin de monde qui a pensé. Ils ont besoin de monde qui a innové. Ils ont besoin de monde qui a motivé la population avec des bagages positifs. Ils ont besoin de monde comme Sindadou qui a fait changer l'administration de l'État. Ils ont besoin de monde comme Sindadou qui a fait changer le système. Les zones qui ont compris besoin des représentants directs, comme si pour camper en France, camper en face tout le monde, qui a vu changer le système. Nan, et de faire regarder pour elle. Le président n'a pas parlé de développement. N'a pas parlé de l'autre pays. Nous, il faut que nous commencions à changer d'article dans la constitution. Nou. Mais une constitution qui là, qui a un petit groupe moun a enrichi de jour en jour, sans condition. En majorité, même a pas appauvri davantage. Et pour jouer, vous pouvez vous dire, vous avez un représentant qui est Liliane Pierre-Paul, qui a défendu. Vous avez un autre compte à chouer, Timona, qui a défendu. Vous avez un autre groupe qui a fait des radios, qui a défendu. Mais je dis, vous avez Bob C, pas de l'autre bagaille pour le jour, oh oui, je vais quitter Mikoua, je vais quitter les bagailles, je vais tourner. Bon, le Jovenel Moïse était là. Nous tous, nous avons fait Jovenel Moïse. Nous ne pouvons jamais quitter Mikoua, nous sommes là. Et puis je dis, vous pouvez quitter Mikoua. Bob C, vous voulez, mais vous tourner. Et pour foutre tourner, parce que ne vous pas tourner, mon apporte très mal. Moi-même, ma pression, respecte, mais de fait, j'ai ça. Sous le Jovenel Moïse, qui ça fait pas foutre quitter Mikoua? Bonne salope sale. Qui ça fait nous pas quitter Mikoua? Sous le Jovenel Moïse. Dans condition ça, je dis là, Ariel Henry vomit tellement l'argent l'État dans mes bonnes ravettes criminelles à Mikoua. Nous, que nous pas qu'à camper pour nous dénoncer avec ça. Nous obligés à courir quitter Mikoua. Et en pile, nous prévoit courir quitter. Nous foutre être là. Et vous ne pouvez pas faire nous être là. Je dis, ma fait nous connaître qui ça que les médias. Ben pas sérieux, ben bluffé. Moi-même, pas qui passe pour la Bob C. Moi, c'est que Bob C en pile. Son flâneur, on a senti bon, on est propre, on a mis du lot. Mais Bob C, je dis à pays en difficulté. Nous besoin d'aide avec ta vérité.
Où est Ariel Henry son gang? On nous dénonce Ariel, on nous fait Ariel Lagepiel. On nous organise nous pour mettre un gouvernement qui va venir faire élection dans moins que 120 jours. Frapper gang dans un mois. Et puis faire élection dans le pays pour nous avoir des autorités qui sont légitimes. D'abord que le peuple a choisi pour qu'ils ne fassent pas ça. Ou après, qu'ils ont mis quoi? Et puis payer dans Ariel Henry ou pas prendre responsabilité. Laissez-moi faire plus mal que ça toujours. Et ou bail. Moun kap dit de bagay de ouyo. Bayo, exactement. Et raison. Parce que les jeunes de Moïse étaient là, monsieur, nous pas de courir. Nous tous étaient là. Nous tous étaient là et que nous t'a frappé. Et les jeunes de Moïse étaient même avancé, même pour te bon, nous n'est qu'à 20 âmes. Qu'à 20 cartouches, cartouches chaque jour. Ou te fait dilatoire, te fait diversion avec nous. Ou pas de jeunes te répéter non. Et c'est là que tout le président et le sort vient dire comme ça que ou pas de répéter non, ou te vient l'autre chire, ou te chire l'islam. Le sort pas sérieux. Même Jean Mouletan de Tiodien, il disait, l'on a peine dit comme ça que Jovenel Moïse bon 4 non, je vais qu'elle a l'oukel arrêté, le ça c'est tout à dire, il vient parler ensemble avant pour faire dire ensemble avant, et ne fait nous pas dire non. Et t'as dit, c'est payé, mouillon, payé, de fait, il semblait vrai, Bob, c'est. Mais c'est pour une responsabilité, nous soyons sérieux. Moi, je suis mon plus honnête, moi, je suis un paysan, même j'avoue. Et nous devons pas de presse, même Jean, même Jean devine faire, nous sommes petits paysans, nous devons l'école tout. Nous organisons nous-mêmes dans le pays d'Haïti et le système nous vient faciliter l'espace pour qu'on riche dans moins que 15 l'année et ou riche complètement. Le système nous facilite avec de l'argent qui n'est pas propre parce que depuis comme si nous avons de l'argent dans le pays d'Haïti, lorsque l'argent qui sort dans le Méro Nicolin ou l'argent qui sort dans le nom de qui dans le pouvoir, c'est de l'argent comme si nous avons de l'argent sale parce que lorsque vous avez des gens qui nan ghetto yo k'ap souffri grand goût et puis on a été longe enveloppe ba ou tout plein et puis n'exacte ministre tout bagay et puis comme si c'est l'argent budget ou n'ga prend li longe ba ou pas stop mais pas de problème ou fait business ou fait jardin tout ça et ou a produit ou a vendre c'est normal pour David millionnaire moi même ta mon millionnaire bon millionnaire ou travail mais monsieur en ouy des pays a pour tout bon en ouy des pays a pour tout bon parce que soyez des pays a capable sonn dans ça là dossier assassinat président Jovenel Moïse ça va passer. Papa ici, moi-même, t'ai toujours dit ça. Et c'est ce qui est extrêmement important. Pour nous suspendre parler de dossier assassinat, ça, et monsieur, là, nous m'en combattons. Dossier assassinat président Jovenel Moïse, lui, était capable d'arrêter sous piste aéroport international tout seul, là, ou du moins, exécuter sous piste aéroport, là. Parce que tu n'as pas arrêté, kidnapper, alvlager dans l'autre pays. Mais vous n'avez pas de pays. Mais vous avez un avion, quand l'avion s'atteint, papa ici, nous allons parler qui choye. La pause, ensemble avec Foucault Taxe 69, à travers musique engagée, ça, en avance Foucault. Très bien, voilà, merci en pile, Foucault Taxe 69. Peuple haïtien, je dis à nous exactement 12 juillet 2022, ça fait exactement yon l'année, 5 jours, depuis que yon touye président Jovenel Moïse. Qui est-ce qui touye? Reginald Boulos, Dimitri Vob, et Michel Martelly, Ariel Henry, et Pasteur Forge, Pasteur Gérald Bataille, et Dragon, et Samy Randal, André Michel, qui a fait mandat avec Nenel Kassi, Mario Beauvoir et John Joël Joseph. Qui est-ce qui touille? Qui est-ce qui a fait mandat? Juge Jean-Roger Noël Sius, un juge d'instruction dans touille président, fait mandat pour touille président.
Qui est-ce qui touye elle? Dimitri Erra. Qui est-ce qui touye elle? Jean Lagarde Civil. Qui est-ce qui touye elle? Mais justement, il y a une inspectrice dans la police nationale d'Haïti qui est Marie-Louise Gauthier. En pile l'autre encore. En pile l'autre encore. Paul Denis. Liste la longue, peuple haïtien. Liste la très très longue. Pasteur Emmanuel Christian Sanon. Vous comprenez? James Solage. Joseph Vincent. Don Kato. Dimitri Vogue. En pile, moun, yo la dan, yo nan touye président. Peuple haïtien, est-ce que président Jovenel Moïse a besoin de justice? Oui, président Jovenel Moïse a besoin de justice. Eh bien, parce que ça que fait la besoin de justice, c'est parce que n'a pas connu la vérité de jour en jour. Tenez bien, peuple haïtien. Le président Jovenel Moïse sorti dans le pays la Turquie. Dimitri Erra still en contact avec inspectrice là qui est Marius Gauthier. Inspectrice là qui est en contact avec Dimitri Erra qui t'a préparé coup d'état qui t'a fait la caille Dimitri Vob dans village Petit Bois dans Tabar dans zone ambassade américaine dans Tabar. Eh bien, là on te prévoit pour arrêter président sous piste aéroport international tout sur l'ouverture là. Eh bien, justement Marius Gauthier t'es en contact en permanence avec Dimitri Vob, avec Dimitri Erra encore. Pardon, Dimitri Erra. Et m'a dit pays ça. Si la justice t'a fait travail, nous t'es capable de checker le numéro de téléphone Dimitri Erra là. Jour président Jovenel Moïse t'a sorti dans le pays de la Turquie là, ou du moins deux jours avant, ou bien un jour avant, président Jovenel Moïse sorti dans le pays de la Turquie. Pour nous, ouais. Qui quantité appel et quantité de temps Dimitri Erra fait dans le téléphone avec Mme Marie-Louise Gauthier. Moi-même, pour ça que je voulais nous connaître, il y a un pile bagaille que de jour en jour, je ne connais mais c'est le logo la justice que nous connaissons pour tout bon. Parce que il y a des informations qui ont glissé, parce que il y a des gens, définitivement, qui décident de parler. Je garantis, il y a des gens qui ont parlé pour le moment, qui ont bâti des informations pour le moment. Mais où est le président Jovenel Moïse, il fait mourir, il n'y a pas de mesure pour que tu aies des informations. Et c'est des gens qui ont des affaires comme si nous qui pas qu'à paraître tête non mais qui connaît pile bagaille. Il y a des gens qui a côté président Jovenel Moïse qui connaît pile bagaille mais de fait ils pas qu'à parler parce que quelque part ils ont côté l'argent l'état tout. Et vous paraître tout naturellement mais c'est ça pour le passer qui tôt ou pour le faire questionner. Il y a des gens qui sont obligés fermer les yeux dans pile monde qui bon côté Jovenel Moïse qui t'a même pour la vérité établie dans assassinat Jovenel Moïse oui. Mais même mon tweet pas qu'à faire non parce que yo connaît yo gen des gros cop dans mais obligé marron. Yo obligé serrer des gros l'argent dans mais parce qu'il y a des gros cop dans mais yo. Nous devons connaître ça. Mais même je dis m'a donné grande bagaille. Joigne la vérité. Joigne toute la vérité. Mais ça qui est pour avec assassinat président Jovenel Moïse là, c'est exactement ça Jovenel Moïse te dit. Joigne justice pour président Jovenel Moïse, c'est marcher main en main avec délivrance pays d'Haïti. M'a répété encore une fois. Parole Jovenel Moïse, premier petit garçon président Jovenel Moïse. Monsieur doit joindre justice pour papa qui c'est président Jovenel Moïse. C'est quand tu es président d'Haïti. Joindre justice pour président, eh bien, c'est marcher main en main avec délivrance pays d'Haïti. Et il a ajouté pour le dire. Même monde qui mettait nous dans l'état que nous y est là. Qui réduit le pays avec ça que vous réduit là. Et bien, c'est même Mounzaïo qui touille le président Jovenel Moïse. Et bien, justement, depuis nous jouons la vérité, dans ce qui est pour avec assassinat président pays, de fait, pays a délivré par n'importe qui moyen, peuple haïtien. En nous mettez voix nous ensemble. En nous gonfler force nous. Nous, c'est petit Dessalines. Boulos, nous pas qu'on est descendant, nous pas qu'on est ancêtre, nous n'avons pas de rien pour nous avec le pays d'Haïti. C'est l'esprit de faire l'argent par n'importe qui moyen. Quel que soit le monde qui campe en face, yo. Eh bien, yo seul objectif, c'est tout yo seulement. Parce que yo pas de capacité pour yo bataille ensemble avec vous. Faut une bataille dialectique ensemble avec vous. C'est tout yo pour yo tout yo. C'est yo criminel à mort. C'est yo méchant à mort. Et Dimitri Vob, il y a intérêt pour que le méchant comme ça. Imaginez-vous. Il y en a qui
jouen yon espace pour le milliardaire sans que le pas de gondo là. C'est que le pas de même 5 pot péniche. Et mais justement, il est milliardaire dans l'espace 15 l'année. Vous voulez nous comprendre ça, oui. Vous voulez nous comprendre exactement ça. C'est pour un jouet, non? C'est pour un jouet. Il y a un président de la République qui a stoppé l'intérêt ça, yo. De fait, vous supposez, rejetez pas quoi, nous, rejetez bouclier, ou. Mettez défense dans le train, ou. Ce que le président Jovenel Moïse n'a pas fait. Président Jovenel Moïse te ba ou laisser aller. Nèg tout le président avec facilité. Nèg tout le président avec facilité. Et sans respect pour nous comme haïtiens, sans respect pour institution même qui relève la présidence. L'on a tout le président de la République en fonction, un président qui nous élu démocratiquement à travers les unes, à travers les élections, un petit groupe parce que était menacé, ou pas de l'autre option, ou pas qu'à bataille pour changer président à travers les élections, ou pas qu'à attendre ou à tout sous cabon de la Kaili. Moi-même, peuple haïtien, moi je nous connaître dimension crime. Et vous êtes plus grave là, on nous prend parole que Rodolphe Jean a dit qu'il est Dodof. Dodof dit comme ça que. Oh oui, ces derniers temps, ils ont jugé que le président est venu trop arrogant. Ça me donne bien, oui. Ils ont président de la République. Ils ont individu du président trop arrogant. Par le fait que M. est venu arrogant, il a bloqué l'intérêt, tout le bagaille, de fait qu'il faut tout le président. Oui, il faut tout le président. Et pour la vérité, pour l'histoire, le président a fait marrer de nez qui n'a gaz vrai, de nez qui n'a droit pour tout bon, et n'a pas 20 âmes pour tout bon. Et m'a dit, nous parmi eux, il y a des gens qui ont subaltern qui n'a pas le mari. Dimitri Hera t'a marré. Parce que Dimitri Hera, pendant que le palais national, il y a deux présidents Jovenel Moïse, il a fait kidnapping et il a 20 âmes avec Iso. Parce que kidnapping qu'on a fait Delma, quand pile là-dedans, c'est l'équipe Dimitri Hera qu'on a fait. Avec des policiers UGPN. Les kidnappés moun yo, yo pote yo ba Iso nan route. A cérémonie au village de Grand Ravine. Parce que Iso, c'était bon partenaire Dimitri Hera. Et c'est kounya yo bon zami, parce que yo bi contact direct dans la prison. Sous besoin de toute information, sous ça que ma parle avant, du moins ça qui a passé dans le pays d'Haïti, rentrez en dedans pénitentiaire national peuple haïtien. Si te gen l'État, si te gen la police, sous besoin de maintenir n'importe gang nan, al couver dans le palais national. Non, pénitentiaire national. Sous besoin d'un pile détail de préparation, assassinat président Jovenel Moïse avec Fantôme 609, rentrer en dedans pénitentiaire national. Même si M. Green Bagay, de fait bon niveau que nous avons privé, n'a toujours pas qu'à révéler sous nous, c'est normal, nous avons ça. Mais au niveau que nous avons privé, tout le monde a connu, tout le monde qui a dit, qui a contribué. Et pour aider nous, je la vérité, parce que c'est très important. Si vous m'avez appelé moi, peut-être que moi-même, Maïdo, et ma bataille pour mes dos, sorti côté yo, parce que ça, au moins, si vous ne faites pas des bagages qui graves, et que le dossier n'a pas jamais touché, mais la justice, mais tôt ou tard, la justice va triompher parce que nous sommes capables d'essayer de bataille pour que bon juge qui assiste, qui comme c'est qui assiste ou pardon. Vous comprenez? Ça veut dire que j'espère que nous comprenons la situation, peuple haïtien. De vous besoin qu'on ait la vérité. Sous préparation, assassinat président Jovenel Moïse avec le état-major de la police nationale d'Haïti qui est Fantôme 609, et bien de fait rentrer dans la pénitentiaire nationale. Sous besoin qu'on ait contrôle, kidnapping, cap fait dans la rue pour nous chaque jour. Sous besoin qu'on comment planifier, comment stratégier, comment gagner, connecter, à le fond deux jours dans la pénitentiaire nationale, pardon. Ou du moins, chercher vos bons amis dans le périmètre ça. Et pour qu'on ait qui choye. Ben, propose avec Koufouko. Hey,
Voilà, pendant le peuple a lui-même dans la misère, il y a un chèque. Peuple haïtien, discours président Jovenel Moïse, lequel t'a prêté serment comme président de la République. Moi, je tourné sous ça ensemble avec nous pour plusieurs raisons. Que je vais profiter pour me dire non. Ou alors ça, président Joseph Michel Martelly, t'a coulé champagne. Toute structure de communication, PHTK, est au service président Jovenel Moïse à l'époque. Lucien Jura, t'es en vogue. Je ne dis plus non. Mais sauf que, en entendant de toi une bagaille que le président Jovenel Moïse a dit, dans quatre prestations serment, nous attendons ensemble avec. Désolé. Et nous attendons ensemble avec moi. Petite émotion tout à l'heure. Un petit pose avec Foucault, désolé. Très bien. Voilà. Discours président qui était à peine élu, qui a prêté serment. Président Jovenel Moïse. En content de petit bâtisse ensemble avec nous, pas de trop. Parce que je vais vous dire qui est extrêmement important. Entendez ça. Dit tout militant nous qui tombé dans la bataille manche longue, nous menons pour démocratie. Yon merci spécial. Yon même tout yon rendu ça possible. Merci parce que nous rechoisîmes encore dans l'élection 20 novembre 2016. Yo. Nous mettons le président à un seul coup de cœur. Je profite pour me féliciter nous. Parce que nous choisissons la démocratie dans la place anarchie. Chimer la paix dans la place violence. L'ordre à progrès dans la place désordre à brigandage. Ça me fait payer, nous fait pas. Discours, prestation de serment président Jovenel Moïse. Femme, c'est bâtir une société, une nation qui fait fier de nous toutes. Pour nous accomplir mission ça, il faut que nous réformions l'école. Nous. L'école, pas là seulement pour la connaissance. Il y a une l'école, c'est former bon gens citoyens. Ça veut dire. Moun qui prêt pour servir le pays. T'as le président. Aïe. T'as chargé, oui. Aïe, c'est Femme Zone. Exercice ça, m'a fait lancement avec vous. Et c'est un souci pour me permettre de comprendre. On sait les bagailles qui passaient dans le pays d'Haïti. Parce que ça, c'est extrêmement grave. Et que nous ne sommes pas capables de permettre de comprendre. Parce que dans ce que nous sommes là, moi clair sur ça. Si nous ne pas prendre responsabilité, non. Pour que nous mettions toute vérité au dehors. Et bien, mensonge, à mettre nous dehors nous-mêmes. Si nous ne prenons pas responsabilité, non,
pour nous dénoncer assassins criminels à travers la vérité, pour mettre toute vérité au dehors. Et mes défaites, mensonges, à mettre nous dehors. Nous voulons nous comprendre la nécessité qui gagne pour qu'une parle la vérité. Président Jovenel Moïse. Merci. Je dis à tous les militants qui sont tombés dans la bataille de l'homme, dans la démocratie, je merci spécial. Je même tout, je rends ça possible. Merci parce que nous rechoisissons encore dans l'élection 20 novembre 2016. Un petit rappel pour la vérité et pour l'histoire. Le ça, tu as gagné. Sénateur Youri Latortière. Sénateur Latibonite Gonaïve. Qui était président Assemblée nationale. Président Sénat de la République là. Nous avons gagné président de la Chambre des députés. Qui c'est Scholzer Chancy. Toujours Nèg Latibonite, membre parti politique. À l'époque, Haïti en action. Nous avons parfaite harmonie avec le président Jovenel Moïse. Nous avons fait campagne avec le président Jovenel Moïse dans la Tibonite. Le Saboulos a en parfaite harmonie avec le président Jovenel Moïse. Qui ça fait? Le Boulos vini pour avec Jovenel Moïse et puis il tout vire do bay président Jovenel Moïse. Peuple ici n'a tourné sur ça. Entendez discours président Jovenel Moïse dans période ça. L'état a prêté serment. Entendez. Nous mettons le président à pion serre pour que. M'a profité pour me féliciter nous. Parce que nous choisissons la démocratie dans la place anarchie. Chimer la paix dans la place violence. L'ordre a progrès dans la place des zones agréables. Ça me fait payer nos verbales. Mission PAM, c'est bâtir une société, une nation qui fait fier de nous toutes. Pour nous accomplir mission ça, il faut que nous réformions l'école. L'école n'est pas là seulement pour la connaissance. L'école, c'est former bons gens citoyens. Ça veut dire, les gens qui prêt pour servir le pays, les gens qui comprennent qu'il faut intérêt pays à passer avant intérêt personnel. Bagaille ça, c'est depuis l'école que tout le monde apprend. Mission PAM, c'est créer conditions pour chaque Haïtien vivre bien. Mission PAM, c'est craser toute barrière qui gagne entre mon en dehors et mon la ville. Mon riche et mon pauvre. Mon noir et mon rouge, mon en haut et mon en bas. Haïtiens qui vivent dans le pays et Haïtiens qui vivent dans la diaspora. Nous tous, c'est Haïtiens. Mais ça que m'a dit nous, depuis le, Jovenel Moïse t'a prêté serment, il t'a prêté tes paroles, ça y est. On serait des barrières que nous-mêmes, comme nègres têtes graines, les oligarques corrompus de Pétionville mettez pour nous dans le pays d'Haïti. Ou même quand vivent dans la diaspora, ils mettent aussi des barrières pour vous. Ou pas capable de venir participer dans la politique pays. Où. Comment ça fait mettre là? Ils excluent ou non le développement pays où? Est-ce que vous avez un pays qui est capable de développer sans diaspora li? Président Jovenel Moïse, depuis notre prestation de serment, notre premier discours qu'il a gagné,
discours officiel que le gagné national devant président de la Chambre des députés là, devant président président Assemblée nationale là qui c'est Youri Soyez sensible tout qui c'est président de la Chambre des députés là, à l'époque. Devant toute structure politique matérielle, devant toute boîte PHTK, devant toute structure communication PHTK, tout était présent et on était très content, on était très fier à l'époque. Mais Jovenel Moïse, tout ça a répété là, c'est ça le tabral fait vrai. Mais discours ça, il a prêté dans quatre discours pour les PHTKIS, les têtes calées, les oligarques corrompus. Il n'y a pas de besoin de Jovenel Moïse te mettre à l'exécution, en application. Ça veut dire tout ça, Jovenel Moïse t'a dit là, pour eux-mêmes, c'est fort que Jovenel Moïse s'est menti pour le débat peuple là. Est-ce que nous comprenons ça, m'a dit nous là? Est-ce que nous comprenons bien ça, m'a dit nous là? Peuple haïtien, n'espérez que nous prenons responsabilité, nous. Par rapport avec ça que nous vivons là comme situation, nous devons comprendre la réalité à très bien. Nous devons comprendre dans qui ça que nous y est là, dans qui ça, monsieur, vous mettez nous là. Et nous devons comprendre depuis qu'il est là, Jovenel Moïse, un discours qui est en faveur de nous-mêmes, majorité. Et nous continuons d'attendre. Premier discours officiel que Jovenel Moïse fait en dedans le pays d'Haïti. Président Jovenel Moïse, en avance. Elle l'a prêté serment. Nous prenons bâti un seul Haïti pour tout Haïti. Yo Haïti. Côté discrimination, pas doit empêcher réussite économique et sociale personne. Yo Haïti, côté monde pas lutté contre pauvreté seulement. Yo Haïti, côté tout le monde qui a joué la vie meilleure. Mais prends engagement aujourd'hui pour nous travailler, pour nous réparer Haïti dignité. Je prends engagement pour mon travail pour les jeunes femmes et les jeunes garçons qui vivent dans le pays. Je prends le travail pour permettre mon diaspora qui veut retourner à la caillou. Des paroles. Est-ce que le pas fait le vrai? Est-ce que le pas fait le vrai? Alors, mais ça que je veux nous comprendre dans l'exercice que ma façon avec nous là. Qui ça que je décide de faire ça? C'est comme si Ndadjo, c'est son introduction que vous avez fait pour une interview qu'on va le faire. Ou du moins, si un discours qu'on va le faire, ou faire un intro. Hein? Ou du moins, si une musique qu'on va l'annoncer au album, ou faire un intro. Hein? À travers un intro, hein? Ou dire dans un intro, mais tout ça qui va le passer. En dedans de l'album, non. Et bien, à travers le discours que le président Jovenel Moïse a fait là, dans le premier discours officiel que le dégainé, il a prêté serment. Comme président qui était élu démocratiquement, il y a une intro qu'il a fait pour nous. Il dit nous tout ça, il te dit là. Et dit pour la vérité, pour l'histoire, est-ce qu'il n'a pas attaqué tout ça à ouvrir? Est-ce qu'il n'a pas envie de faire tout ça à ouvrir? Est-ce qu'il n'a pas entamé le processus pour le faire ça à ouvrir? Réponds-moi ça dans l'espace commentaire là. Réponds-moi ça dans l'espace commentaire là. Il est extrêmement important. Ça nous le connaît. Il y a un monde qui a bataille pour nous. Il y a un monde qui a une volonté. Elle est rare, elle est extrêmement difficile pour nous venir comme président de Jovenel Moïse. Parce que monsieur était trop en aimé pays d'Haïti. Et c'est aujourd'hui, malheureusement, jeunes qui n'ont génération pas maintenant, qui n'ont vétérinaire, à comprendre qui est le président Jovenel Moïse. Parce que, en pile, non, nous-mêmes, comme jeunes, même j'avais, c'est plaisir nous prendre. Mais c'est aujourd'hui, on a comprendre qui est le président. C'est aujourd'hui, on a comprendre le président Jovenel Moïse dit comme ça que, Haïtien qui a vécu la caille voisine, ça a coupé quand, ça a sacré. Fait élevage, ça a des manchettes dans le tout bagay, tourne avec quoi, tourne avec piquoi, tourne avec manchette là, tourne la caillou. Le nèg politique dans le pays d'Haïti, te mette machine communication sous pied, et puis fait nous interpréter le mal, répondre président mal là. Je dis à m'espérer que nous comprenons qui ça Jovenel Moïse là. Et de fait, moi, ouais, en pile haïtien qui a vivre la Dominicanie, après nous téléphone, nous avons compris la réalité pour tout bon. Parce que vous dans qui ça, parce que vous prenez un moulin, vous avez un bon an. En entendez. Entro ça toujours. Moi, je suis entro. Président Jovenel Moïse. Pour yon ka fè ça sans qu'il soude. Pour diaspora, vin faire business, créer job, participer tout bon vrai dans le développement pays. Yo. M'a foye un gros coup de chapeau.
pour toute institution avec autorité dans l'État pour travailler au fait qui permet l'aboutissement du processus électoral. Aïe, bobo pour nous, messieurs dames. Compatriotes, moi, il faut arriver pour nous mettre terre, rivière, soleil, à nous ensemble. Besoin tout le monde, tout ancien candidat, tout le monde qui devait voter pour moi, tout le monde qui n'a pas voté pour moi, ni le monde qui n'a pas voté type, on besoin tout le monde. M'a besoin de tout pour Haïti qui a levé qu'aucune chaîne défi ça. Le sentiment qui m'anime en ce 7 février est un sentiment d'humilité. Je mesure avec discernement la lourde tâche qui nous attend. J'ai conscience du long chemin parcouru et de tous les efforts que nous avons consentis pour permettre à la démocratie de vaincre. Je voudrais remercier toutes celles et tous ceux qui ont permis cette victoire. Merci. Je m'engage à travailler du premier jusqu'au dernier jour de mon quinquennat. Aujourd'hui, c'est mon premier jour. Je vais commencer à travailler dès aujourd'hui jusqu'au dernier jour de 2022. Qui ça nous entendait là? Depuis le jour où le président Jovenel Moïse a prêté serment, les jours, il a commencé à travailler. Depuis le jour où il a prêté serment, jusqu'à dernier jour quinquennat. Ça veut dire que dernier jour mandat. Il répétait en 2022. Le ça n'a pas de débat. Sous date fait mandat président. Parce que tout le monde est d'accord que le mandat président fini exactement mandat constitutionnel. C'est 5 ans la fin en 2022. 7 février 2022. Ah, monsieur, 2022, 5 ans. Et le président. Parce que tout ça le répété dans un droit là, il t'a mis en pratique dans le pays. En nous étendant, pas dit ça encore. Président Jovenel Moïse. Remercier toutes celles et tous ceux qui ont permis cette victoire. Merci. Je m'engage à travailler du premier jusqu'au dernier jour de mon quinquennat. Aujourd'hui, c'est mon premier jour. Je vais commencer à travailler dès aujourd'hui jusqu'au dernier jour de 2022. Pas de gagner ça. L'heure est venue de mettre en œuvre le changement des. Tenez bien, oui. Ma parole avec nous bien. Pour nous comprendre qui sacre les politiques dans le pays d'Haïti, pour nous comprendre qui aspire les politiciens dans le pays d'Haïti. Et ça fait Yuri la torture, c'est notre pour nous pas jamais faire confiance. Yuri fait campagne avec président Jovenel Moïse dans la Tibonite. Il a supporté président Jovenel Moïse. Le président Jovenel Moïse a fait discours ça. Yuri Kamp chita nan do président. Premier année mandat, jusqu'à dernier année mandat qui fini en 2022. Président répète-le. Pas de gain de débat sur ça. Vous comprenez ce qui passé? 7 février 2021. Alors, depuis novembre 2020. Qui est-ce qui commence à dire mandat constitutionnel président Jovenel Moïse a fini 7 février 2021, l'irlé ou la torture? Mais ça, politicien, là. Mais ça, politicien. Est-ce que nous comprenons ça, m'a dit nous là? Pendant ce temps où c'est moi qui proche président, ou t'es dans dol, la campagne, les fait discours ou dans dol, ou c'est moi qui parle ou c'est conseiller, ou pas de camper en face, l'irlé ça. Parce que Reginald Boulos, Jovenel Moïse ne pas continuer à ouvrir Van Napoli après le dernier gros contrat que l'a fait. Il a acheté matériel pour l'État haïtien.
123 ou 153 millions de dollars américains. Après ça, Vannan, ça s'est fermé. Le salba, il vire Doba Jovenel Moïse, commence à attaquer Jovenel Moïse. Yuri tout vire Doba Jovenel Moïse, il commence à attaquer Jovenel Moïse tout. Mais qui sac politicien dans le pays d'Haïti? L'aura avec criminel qui est oligarchie ou bien tout homme d'affaires besoin de détruire le président, l'utiliser Yuri, les Lambert, les comment les Kassi, Don Kato, Ricard Pierre. Les beaux plans, les ravettes politiques, ça y est, c'est moun ça y est utilisé pour faire détruire le pays, détruire le président. On est qui semble avoir, ou fait campagne avec elle, ou qu'on pas cool, ou se dit dans la même matrice peuple ensemble avec elle, ou détruit parce que vous êtes dans le secteur privé, intérêt menacé. Est-ce que nous comprenons, peuple haïtien? En entendant le président Jovenel Moïse, encore une fois. Signé par le peuple le 20 novembre dernier. Oui. Il est venu le temps de conjuguer intégrité, moralité, mérite, ordre et discipline. Sous mon administration, jamais, plus jamais, la justice et les institutions haïtiennes ne pourront être instrumentalisées à des fins de persécution politique. Est-ce que nous comprenons? Le temps de restaurer la confiance entre le peuple, les dirigeants et les institutions du pays a sonné. La confiance des citoyens dans les institutions est la condition indispensable pour stimuler l'effort national, combattre les crises institutionnelles, consolider l'état de droit, relancer l'économie, améliorer les conditions de vie générale de la nation. Nous allons mettre en valeur et cultiver les terres disponibles, construire les routes, les ponts, le réseau électrique national muni de son réseau fibre optique, édifier des écoles, des dispensaires et des hôpitaux, faciliter le développement de grands projets touristiques, tirer au maximum les avantages des lois Hope et Help, en faisant la promotion de l'investissement dans le secteur de la sous-traitance. Nous allons impulser des politiques publiques pour une Haïti forte et innovante. Redonner l'espoir à tous dans un esprit d'unité et de concorde nationale. Nous allons travailler pour l'émergence d'une Haïti économiquement prospère, socialement juste et écologiquement responsable. Je vous promets, durant mon quinquennat, de remettre la recherche du bien commun au cœur de nos priorités. Je serai le garant d'une Haïti juste, équitable et stable, garant du dialogue avec et entre tous les secteurs de la vie nationale. Pour ce faire, chers compatriotes, je demande à chacun de faire l'effort d'aller vers l'autre, de cultiver l'esprit de tolérance et du pardon. Aujourd'hui, ce n'est pas la victoire d'un camp sur d'autres camps, mais la victoire de la démocratie. C'est un gouvernement qui sera constitué suivant les critères de compétence, de mérite et de probité, doivent encourager la parité entre les femmes et les hommes et prendre en compte la question du genre dans la formulation et l'implémentation des politiques publiques. Sous mon administration, les règles de bonne gouvernance seront d'application stricte. Comme fait nous voyons, idée, président. La justice sera impartiale et équitable. Allez, le président, après vous, il a tout. Je veux assurer que toutes les forces vives de la nation partagent une même vision du développement du pays. Oui, calmez-vous, Cantal. Permanent de changer sens. Sur les questions d'intérêt général. Peuple haïtien. Crise électorale à crise politique fait pays à fait bac en pile. Sous mandame là, nous prenons faire politique là dans l'autre genre. Nous prenons mettre intérêt pays à devant. Intérêt pays à c'est développement. Intérêt pays à c'est renforcement institutionnel. Intérêt pays à c'est vivre ensemble yon ak l'autre. Intérêt pays à c'est gourmet contre corruption. Oui. Intérêt PIA, c'est décentralisation. Intérêt PIA,
c'est faire collectivité locale jouer un rôle. L'intérêt pays, c'est réaliser toute réforme et prendre toutes mesures qui permettent jeunes femmes et jeunes garçons de prendre confiance dans le pays. Parole, ça te dérange en pile. Bon, nous avons un mandat pour me faire changement. Moi, pour faire changement. Oui. Nous pourrons encourager les gens à faire business. Nous pourrons utiliser tout avantage nouvelles technologies offrir pour nous faire le pays avancer plus vite dans l'intérêt de tous les citoyens. Quitte ça qui vivre la ville, quitte ça qui ne pas vivre la ville. Ensemble, nous pourrons appliquer un projet national pour développer Haïti. Nous prenons le marché dans l'ordre, dans le respect de la loi, dans le respect l'un pour l'autre. C'est ensemble, sans nous pas retirer personne, nous prenons le travail pour nous créer conditions pour un Haïti qui fait fierté dans cette nuit. Fierté petite nous à petite. Je n'ai pas fini pour me remercier madame Wadeye Banane. Pour me remercier la famille, petite moi qui là, dans un moment difficile pendant 22 mois, qui n'a pas découragé. Avec tout Porto Rico, garçon ça qui te fait choix de moi avec parti politique là, Joseph Michel Mabillon. De bien. Et m'a dit nous tous, nous pas pour. Parce que c'est travail qu'on travaille. Parce que c'est bonhomme qu'on leve et c'est dame qu'on donne. On n'a pas fini le discours ça sans parler de tout le monde, dans toute croyance, et spécialement religion pour la paix, pour nous consacrer 3 journées de prière pour l'Esprit bon Dieu qui a bonne sagesse, pour nous lever le pays et puis qu'on dit peuple là dans la bonne direction. Bon Dieu béni nous, vive peuple haïtien, vive démocratie, vive Haïti, que bon Dieu béni Haïti. Merci en pile, c'était exactement discours, prestation de serment président Jovenel Moïse. Alors, discours qu'il a fait dans le moment qu'il a pris le serment dans le pays d'Haïti, dans le palais national. Le ça, dans le te gagné Yuri La Torture. Cholze Chansi. En pile l'autre encore. Le ça, il était en parfaite harmonie avec le président Joseph Michel Matéli. Il y fait 2 ans, Matéli a dirigé le pays d'Haïti. Et c'est là, moi-même personnellement, je n'ai jamais été président bien à l'époque. Matéli fait 2 ans à diriger le pays d'Haïti. Pendant que Jovenel Moïse président. Parce qu'il a commandé, il a dirigé, il a téléguidé. C'est lui-même qui vous dit, mais qui ministre justice pour mettre? Gouvernement qu'on a monté, eh bien, cabinet ministériel qui est en fait. Jovenel Moïse pour reconnaître pour mettre un ministre ou des ministres. Ça pourra le changer. C'était le 15 octobre. 2019, je crois. Depuis le ça, l'équipe PHTK est désolidarisée avec le président Jovenel Moïse. Je dis là, normalement, nous allons faire notre exercice avec ancien chargé d'affaires, ancien ministre des Affaires étrangères, ancien premier ministre, docteur Claude Joseph, qui font interview tête chargée avec normalement Wendell Théodore. Nous prenons le temps de Kishoy, PM Claude Bali. Et nous prenons le temps de, à travers déclaration, nous prenons comprendre déclaration. Docteur Claude Joseph, et c'est la vérité. Félicitez nos valeureux enquêteurs de la DCPJ
qui fait un travail vraiment de façon délibérée pour raison que nous parlons effectivement et parler de vous et dans ce moment. Alors, nos journalistes ont encore toutes tout intervieweurs et toujours commencé par éléments qui dominaient l'actualité, hein, même si il y a pour faire l'autre considération, pour poser d'autres questions, permettre que moi prends effectivement un point d'actualité qui c'est la décision turque, la décision des autorités turques de rejeter la demande d'Haïti, la demande du gouvernement haïtien d'extrader Samir Handal. Ou réagir. Ou c'est comme si le rapport de nouvelle là, ou réagit sans surprise. Et froidement, on dit que bon, c'est parce que demande haïtienne, la façon que le formulaire est bâclé, c'était la première réaction. Quelle explication vous avez à ça? Qui donc a expliqué, non? Moi, vraiment préoccupé par la libération de Samir Handal dans le pays turc. Tout simplement parce que le rapport des CPJA établit implication présumée. Établit implication présumée, n'est-ce pas, et Samir Handal dans l'assassinat de Jovenel Moïse. Et c'est un rapport, c'est un travail, moi capable de dire, qui est impeccable. Et moi, de fait, docteur Claude Joseph, enquêteur de la CPJ, qui fait un travail vraiment sérieux dans le cadre de l'enquête-là, qui établit implication en pile monde, n'est-ce pas, dans l'assassinat de Jovenel Moïse. Donc, et les moins libération, moins préoccupé pour plusieurs raisons. Et parce que, pas oublier que moi-même, personnellement, moi, j'ai participé après que DCPJ, en tant que ministre des Affaires étrangères, DCPJ a fait une contact témoin par rapport à la relation avec la Turquie et par rapport à transit que Samir a fait, puisque moi, par contre, Samir Handal, cependant, si Samir Handal a couru. Qui était pays a et probablement lui-même, pour qu'on parle, montrer que le gain avec avec l'assassinat du président Jovenel Moïse. Donc, on a été contacté l'autorité turque qui, effectivement, a agi d'après notice rouge, web notice Interpol, là, et qui a arrêté Samir Handal. Donc, on a eu une implication particulièrement en tant que ministre des Affaires étrangères, malgré la primature. On a participé dans des démarches qui étaient visées. Malgré la primature, est-ce que ça veut dire que tu as une objection, tu as une intention? Tu as des objections et qui exprimaient et des non-dits également. Et évidemment, c'est après l'ensemble d'initiatives qui fait que mon bras est écarté du gouvernement. Donc, c'est des raisons entre autres. Hein. Donc, moi, préoccupé parce que, évidemment, et le gouvernement haïtien a produit une demande d'extradition. Moi, j'ai là de 19 pages, une portée là pour Wendell, que l'autorité turque ben moi. Et les bilans des produits, demande d'extradition ça. Demande d'extradition ça, les chargés avec failles méthodologiques et techniques. Et ce n'est pas parce que pas gagné. Des failles, comme j'en dis là, des failles, les pas obligé de libérer. Ce n'est pas parce que pas gagné. C'est pas parce que pas gagné. De techniciens au niveau du ministère de la Justice qui vous fait travailler là, non, c'est de façon délibérée. Moi, bon exemple simple. Et nous avons quatre pièces qui sont attachées avec documents que vous voyez la Turquie. Le quatrième document, c'est une copie d'une lettre que Gary Aurélien voyait par le ministre de la Justice là, le 8 décembre 2021. Et lettre ça, et qui ça lettre ça a dit? Lettre ça a dit que, nous ne pas vous là pour comprendre, lettre ça a écrit, Gary Aurélien écrit, ministre Justice, pour faire état de obstacles qui gagnaient dans l'enquête là, particulièrement avec les Colombiens, ils n'ont pas qu'à attendre parce qu'ils n'ont pas un avocat. Donc, monsieur, dans lettre là, il a expliqué des obstacles qu'il fait face. Or, lettre ça a gagné un à ouais avec dossier en là. Mais monsieur, vous voyez l'être là quand même, la Turquie. Maintenant, nous devons comprendre une erreur qui fait que l'être là a joint et la Turquie, mais l'Italie également traduit en turc. Donc, c'est pour montrer que là, de façon délibérée,
ministère de justice lui ouvre une brèche pour capable pour avocat Sami Andal yo capable joindre des arguments assez forts pour dire que Sami Andal pas qu'à venir Haïti. Et puis deuxième aspect, c'est que la justice est très patient avec Haïti, avec le gouvernement haïtien, très patient. Il y a eu plusieurs correspondances by ministère des Affaires étrangères. Et dernière correspondance, on a posté sur page Twitter avec Facebook. Le gouvernement haïtien, il n'a pas répondu avec correspondance. Donc, pour répondre à la question que la justice turque demande, particulièrement par rapport à quel type de peine que ça a mis à Bancouris, s'il est venu en Haïti. Donc, délibérément, il y a eu des documents qui gagnait en pile problème. Problème, voilà. Malgré ça, la justice tue patient. Il voulait m'en dire encore de l'autre document additionnel, il va j'envoyer. Donc, c'est pour me dire que. Il va confirmer que il va j'envoyer. Oui, confirmer que il va j'envoyer. Donc, pas bien que moi, je dis, il y a de bons rapports avec les autorités turques. Et ça, c'est une autorité turque qui va m'en dire. C'est pas joué à mourir de consommation, dans le ministère des Affaires étrangères. D'ailleurs, Alors, est-ce que sous base relations personnelles, parce que quand même, je connais qu'on pas chancelier encore, ou pas. Bon, ça, je ne vais pas parler sur ça. Et moi, c'est un ancien premier ministre, c'est un ancien ministre des Affaires étrangères qui a un carnet d'adresse assez riche. Donc, pas gagné qu'à faire sous base international, je ne pas connaître. Donc, ça veut dire que ça. Mais moi, je dis que moi, j'ai un document et je vais quitter l'être là pour qui ça, pour moi, l'être, pour qui ça. Et que M. Vaughan l'être, qui parlait de problèmes pour je vais dire, pour les Colombiens, difficultés à lui en enquête là, je vais bah, la Turquie. Donc, ça, c'est gravissime. Donc, c'est de façon délibérée que, et de façon codée, tout, je traité avec avocat Sami Andal. En façon pour Sami Andal est capable de libérer. Maintenant, et moi, je crois que les CPJ font un travail qui, pour moi-même, est un travail impeccable, j'en dis. Hein. Donc, si Sami Andal va gagner un problème avec la justice haïtienne, et sous ça qui vient avec l'assassinat de Jovenel Moïse, donc, l'étape fait face et répond aux questions. Donc, il n'y a pas gagné. Alors, nous allons faire lumière sur le point ça, pour moi, à la lumière de ça qu'on gagne comme information. Comment expliquer que les Américains ont arrêté d'autres suspects et pas nécessairement dans le pays où Sami Andal est aux États-Unis? C'est pendant c'est Istanbul qui a arrêté. Comment comprendre ça? Le problème, ça me capable de c'est que tu as gagné au mandat. Et pourquoi il n'a pas été arrêté aux États-Unis? Bon, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je n'ai pas gagné raison. Mais il y a un moment d'amener. Il y a gagné un notice rouge et Interpol qui est activé. D'ailleurs, la Turquie n'a pas besoin d'arrêter s'il n'a pas gagné un red notice activé. Parce qu'il est capable de dire une violation et de droit, Sami Andal, s'il n'a pas gagné un notice rouge de Interpol. Donc c'est Interpol qui a arrêté, c'est pas la police turque, c'est Interpol qui a arrêté. Ni c'est pas la police, on tourne, c'est pas la police haïtienne. C'est pas la police haïtienne qui a arrêté. Donc c'est Interpol. Maintenant, défense que Sami Andal évoquait, c'est par exemple lui-même, c'est quand il était loué Mounio. C'est vrai qu'il n'est pas juge ou pas juge, et c'est pas non plus la justice là, mais est-ce que vous pensez que ça t'a suffi pour impliquer M. dans l'assassinat? Vraiment, je ne vais pas agir sur le contenu, parce que je ne vais pas prendre Sami Andal, je n'ai pas de problème avec lui, donc je ne vais pas agir sur le contenu, mais je ne vais pas agir seulement sur le fait que j'ai un red notice et DCPJ en tant que ministre des Affaires étrangères. Yo, en ma qualité d'ancien ministre des Affaires étrangères et les samedi ministre des Affaires étrangères, ils ont été contactés moi. Donc, je fais et samedi le fait. Et sans pas de besoin qui couleur, qui est Sami Andal là, qui famille, etc. Donc, moi, je crois que tout le monde qui participe à l'assassinat de Jovenel Moïse, il faut répondre à la question de la justice haïtienne. Donc, c'est au nom du principe ça, c'est selon le principe ça même que. Moi-même, on a réagi. Toujours dans nos principes, qui ça a gagné comme information de la part des États-Unis? Bon, et moi-même, je connais que il y a gagné du travail qu'a fait. Il y a gagné un rapport qui doit publier incessamment sous, l'enquête-là, l'investigation, et sous le monde qui participait dans la commune.
Je raconte tout que tu as gagné des millions qui transitaient par le système bancaire dominicain. Vous pensez que je connais ça passé? Eh bien, ça veut dire que ça. Ça veut dire que c'est un crime qui gagne en pile ressources qui étaient à disposition, n'est-ce pas, assassin yo, pour être capable d'assassiner Jovenel Moïse. Pas bien que Jovenel Moïse était attaqué en pile gros intérêt dans le pays. Mm-hmm. Et écoutez, le, par exemple, un président vini, lui dit non, a essayé d'établir une rupture avec des anciennes pratiques. Par exemple, un ancien président qui coupait un contrat de 12 millions de dollars par mois qu'on compagnie privée et empoché prend dans l'État pour bailler des services que Bajam Bailly. Donc, il faut qu'on ait un président comme ça et conséquence sur la ville. Action ça a des conséquences sur la ville. Le président Jovenel Moïse a toujours dit que il connaît que action ça a des conséquences. Évidemment. Et effectivement, et ça qui révèle si ça accède du RA, prouve que le président Jovenel Moïse a toujours une raison. Et le, par exemple, il choisit d'attaquer une série d'intérêts en ABIA qui sont des intérêts qui étaient intouchables dans le temps. Des millions, plusieurs millions investis pour assassiner. Président, quel cerveau. Très bien, on a continué ensemble avec PM et chargé d'affaires, ministre des Affaires étrangères, et on est qui mon carnet d'adresse qu'on va avoir tête chargée, monsieur bourré de compétences, et PM que je vais profiter de me saluer où, pour le bel travail qu'il a fait dans la Coupe d'Haïti, ou pas peur, ou pour que au sujet de Gassouké et Casson Ontario, et PM Claude m'a profité de me saluer où, il m'a du courage, et ou pas pour quoi tout, je connais ça, c'est très important. Vite l'homme innocent. Parlez. Parce que lui en difficulté. N'est-ce pas chercher le tout, il n'y a pas attaqué le sac. Vite l'homme, parlez. Rendez-vous 6h PM avec dossier Vite l'homme innocent. 6h tapant, rond qu'on boule. Si nous entendez, samedi, dis-moi, nous entendez dans l'espace commentaire. Rendez-vous 6h boule avec Vite l'homme innocent. Nous ne pouvons pas le causer. Qu'est-ce là? Parce que n'est-ce pas en difficulté. Il dit là, traquez nous. Il est ça, nous décidons de parler. 6h PM, nous allons parler qui choy. Moi, maintenant, en pile, rendez-vous cassé après-midi à la même. 6h PM, Rokamboul, sous plateforme Panoua, qui c'est plateforme YouTube, InfoBetoa. Moi, maintenant, en pile, Kébela.
Même tranquille, mango fil, fil, fil. Y'a sous sel, y'a pas qu'on brille. Y'a fait til, til, til. Et y'a pas nous imbéciles. Y'a ton ton pot en ta gote, y'a ses cocottes à cigare.